Aujourd'hui les gars, le chapitre 3 vient de sortir et qui dit chapitre 3 dit forcément passe de combat. Je vais directement acheter le pass de combat avec tous ces V-Bucks jusqu'au palier 100, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir sa réaction. Bon du coup les gars, ce qui est cool c'est que regardez, juste en haut, j'ai déjà les 13 600 V-Bucks, donc juste avant je l'ai ruiné les gars, j'ai acheté les 80€ de V-Bucks qui sont juste ici. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à faire péter les 10 000 likes pour que je revienne et que je le ruine encore une fois à la saison prochaine. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter le pass de combat, mais juste avant on va faire un petit tour dans la boutique, soutenir un créateur. Et juste ici, on met le code PJP pour rejoindre le clan PJP et vous cliquez sur accepter. Maintenant que le code PJP est mis, on est parti. On va acheter le pass de combat et regardez, on met directement les 100 niveaux. Regardez-moi ça. Et là, on achète les niveaux juste ici, regardez. Let's go, ça a marché. On a bel et bien les 500 étoiles de pass de combat. Ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va appeler Power pour voir sa réaction. One eternity later. Maintenant, je vais l'appeler. Valentin ? Tu peux venir voir un truc ou pas, s'il te plaît? Ouais, tu m'appelles? Ah, ça va? Mais attends, mais t'as bien mangé? Ouais. T'as bien mangé, ça ouais, va? Ouais, je me suis régalé, mais tu fais quoi sur mon compte là? Vas-y, j'ai un petit truc à te montrer. Non, mais t'inquiète, tu peux lâcher la souris tranquille. Tu dois montrer quoi? Ça va, ouais? Ouais, ça va, mais tu dois montrer quoi là? Pourquoi t'as lancé le jeu? Non, parce que. Attends, décale. Mais t'as même mis la cam, mais t'es un malade, hein. Qu'est-ce que t'as fait sur mon compte, mec? Attends, mais. Pourquoi t'as tous des bugs? Quoi? Non, t'as fait quoi, gros? T'as fait quoi, gros? Ça te ferait, t'as fait quoi? De quoi? Non mais t'as fait quoi, sérieux, dis? Mais j'ai rien fait, mais juste j'arrive sur... Non mais je vois, en plus t'es sur l'image passe de combat, t'as fait quoi? T'as acheté des trucs dans la boutique? Ou t'as acheté le pass, t'as fait quoi? Comment on voit si t'as acheté le pass? Tu sais maintenant ça marche avec les étoiles, tu vois le pass. Oui mais là t'as pas acheté le pass là. Mais t'as dépensé mes bugs comment? J'ai pas le pass. Je suis sûr t'as fait une connerie, mec, en plus il a lancé mais le non, rec. J'ai rien fait. Il casse la tête, les gars, vraiment il me ruine. Bon t'as acheté quoi dans la boutique vu que c'est un truc de la boutique, c'est sûr? J'ai pas acheté, mais j'ai rien. Oh bâtard, je viens de comprendre, t'es sérieux, oh le schlag. J'ai 505 étoiles, t'as acheté. Bon vas-y, assis-toi là, on va découvrir le pass maintenant que tu l'as acheté. Maintenant il est à côté de moi les gars, on va découvrir le pass, je vais acheter les étoiles. Mais t'as vraiment rien acheté du pass? Ah non, j'ai rien acheté du pass. T'as vraiment rien acheté, du coup là c'est à moi de tout acheter. Oh ouais. Enfin bah, toi t'as juste dépensé mes V-Bucks toi. On va dire ça. Ce que je vais faire les refs, c'est qu'on va acheter page par page et je me suis pas spoilé le pass, c'est-à-dire qu'on va découvrir ensemble, je sais juste qu'il y a le skin Spider-Man dedans. Bon, t'es prêt, let's go. On commence, première page, on obtient la première page, let's go. Ok, donc ok, on a une petite traînée. On va commencer doucement ce pass de combat, on a une traînée. Ensuite, on a un sac à dos, une fleur, ouais. Ensuite, on a un planeur. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux clairement Spider-Man, les gars, je dis la vérité. Je suis là pour avoir Spider-Man maintenant. Mais en fait, du coup, comment t'as dépensé mes bugs avec ma carte? Ma carte, elle était où? Elle était là, sur le côté, sur le bureau. T'es sur... Il faut que t'arrêtes de laisser ta carte sur ton bureau aussi. Mais je crois que je vais retirer, je crois, les gars, que c'est enregistré sur Epic. Faut vraiment que j'enlève ça. Parce qu'en fait, n'importe qui pourrait payer des V-Bucks en fait. Là, bah c'est ouais, mon frère. Mais ça pourrait être quelqu'un qui rentre chez moi. Il pourrait acheter des V-Bucks en fait. Bon, après, je pense que s'il y a une personne qui rentre chez nous, c'est pas pour acheter des V-Bucks. Ce serait dangereux, j'avoue. Bon, allez, j'achète la deuxième page du coup. Ouah, comment les serveurs Fortnite ils sont en train de bugger les pages. Ça, c'est parce que t'as dépensé tous mes sous. Fortnite, ils voient qu'il y a plus de sous là. Attends, t'as mis le code PJP, j'espère. Encore heureux. Ah non, mais t'as cru quoi? Bien sûr. Ah mais tu vas voir, il a mis le code PJP mais ça le pardonne pas pour autant. Les refs, malheureusement, très mauvaise nouvelle, on a dû relancer le jeu avec mon ref car en fait les serveurs de Fortnite sont morts. On était en train d'acheter le pass de combat mais genre ça faisait que bugger, ça voulait pas fonctionner. Du coup la page 2 je vous la présente vite fait, mais on a débloqué quoi? On a débloqué une petite danse sympa aussi, voilà, une danse, ok. En vrai elle est stylée quand même hein. J'avoue elle est pas mal. Et il y avait un skin aussi avec, c'est le skin Ronnie. Ok, Ronnie il est pas mal aussi avec un sac à dos. Bon allez, on perd pas de temps, on achète la page 3 directement, let's go. Est-ce que ça marche? Oh ça a marché. Oh j'y croyais pas mec, ça a chargé encore longtemps. Mais moi j'y croyais pas. Ok, il y a aussi une émote mini monstre. Oh mec, ça tue ça, c'est une émote mobilité Monster Truck. Ah, c'est mobilité, ça me fait penser à Rocket League. On a aussi une traînée, croissant de feu, un sac à dos, des V-Bucks, les amis. Ah, les V-Bucks, ça fait plaisir. On a un sac à dos ici, encore un sac. Et oh, il y a un nouveau skin, c'est quoi ça? C'est Lieutenant John Lama. En vrai, il est stylé. En vrai, il est pas mal, il est pas mal. Je vais aller en récupérer. Ok, on achète la page suivante, les gars. On essaye de pas trop se spoiler. Let's go. Non, il y a encore le bug, on peut pas l'acheter, c'est une blague. Mais mec, c'est. Prenez mon argent, Fortnite. J'ai mis le code PJP, je veux dépenser. Oui. Ah voilà, ça va. Voilà. Ok, on a une émote, j'adore. C'est quoi, il est en train de dessiner un dessin? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il fait un cœur. Mec, en vrai, elle est stylée l'émote. C'est pas mal. Mec, ça, j'avoue, il y a jamais eu d'émote dessin. J'avoue, c'est stylé. Ensuite, on a un petit camo, on a une pioche, on a encore des V-Bucks, on a un planeur Monster Truck un peu. Wow. Oh bah c'est la version en mode en mode planeur mec. On est encore 100 V-Bucks mec, il y a 200 V-Bucks. Ok, bah, et là il est en version noire. Ok, Lieutenant John Lama. Stylé, on a aussi le sac et la pioche. Ok, c'est validé. Ok, page suivante les gars, on est déjà à la 5ème page, la moitié du pass de combat. On achète, let's go. Et on a du coup un sac à dos, on commence avec un sac à dos. Un camouflage. Ok, là on a des V-Bucks, 100 V-Bucks, il y a toujours des V-Bucks. Il régale hein. Franchement, ouais, Fortnite vous régalez. Et un skin ici, Ronnie avec une variante. Et il y a encore un nouveau skin. C'est Nati, mais il y a des nouveaux skins presque chaque page. Ils en foutent souvent, Fortnite là, vous êtes généreux pendant ce pass ils de combat. Paquet, là. On a aussi. Oh,
C'est quoi, c'est... On peut lui mettre un masque. Wow. Tu penses que c'est qu'avec ce skin? Ouais, c'est qu'avec ce skin, il y a un masque avec. Ok, on récupère. Ok, page suivante, page numéro 6, les amis. On achète aussi direct. J'espère que... T'es sûr qu'on a assez d'étoiles pour tout acheter? Bah, t'inquiète pas que moi, j'ai bien acheté assez d'étoiles. Hein. Ok, à skip, on a assez d'étoiles, les refs. Mec, acheter. Oh, ça marche. Eh, hey, les gars, je vous assure que c'est trop compliqué d'acheter. On fait des cuts avec le montage, mais mec, ça bug toutes les deux secondes. Fortnite, bon, déjà, on a quand même 100 V-Bucks. Ok, on commence bien. Une petite pioche. Allez. Oh, elle est drôle la pioche, marteau mâcheur. En vrai, elle est stylée. Le sac à dos. Oh, le sac à dos. Il y a des petits monstres. On dirait des bonbons qui essaient de s'en aller du sac. J'avoue, j'avoue. Une petite émote, c'est quoi? Moi, haha. Oh, t'entends pas le son, mais il y a un truc en mode c'est un grand méchant. Je vois ce que tu veux dire. On a une petite traînée ici, la gelée. C'est sympa, c'est sympa. En vrai, elle est sympa. Il y a 100 V-Bucks encore. Mec, 200 V-Bucks sur cette page. On a le skin avec une variante native avec une casquette. Ok, c'est pas mal. Où est-ce qu'on a côté un nouveau skin? C'est Gumbo. Il est incroyable, Gumbo. Oh, regarde dans sa tête, il y a des bonbons. Oh, j'avoue, il y a des bonbons dans Gumbo. Oh, c'est mec, stylé. En vrai, c'est validé. Oh, alors là, cette page a été stylée. Je pense que son assemblage il doit être incroyable. On achète la page numéro 7. On arrive bientôt à la fin du pass de combat déjà. Ok, alors du coup, on commence avec une écran de bannière, un planeur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le planeur du skin. C'est Bubulon. Oh là là, ça rentre trop bien. Il est trop marrant. C'est Bubulon. J'avoue, il me fume de rire. On a un petit camouflage ici. 100 V-Bucks encore. Les V-Bucks, je kiffe. Et ils en donnent souvent. Ah, ils en donnent souvent. On a une musique. Là, on a une émote. Bonbon. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il sort des bonbons. Mais c'est une machine à bonbons en fait. Mais ouais. Putain, ça tue. Et il y a une variante en version un peu diabolique. C'est Gumbo diabolique avec tout en diabolique. Voilà, le sac diabolique. Il y a aussi en violet la pioche. Et on dirait qu'il est malade le planeur. Ok, franchement cette page elle était sympa. Elle était sympa. Bon, pour le moment le pass de combat est stylé. On achète la page 8 les amis, on perd pas de temps. On a une traînée de condensation un peu en mode vitesse. J'aime beaucoup. Un planeur. Ok. Ok, vite fait. On a une petite pioche sympa ici, encore 200. Mais mec, attends, il y a un sac à dos et 200 V-Bucks collés. Bon, franchement, là, je sais pas combien il y en a des V-Bucks calculés. Dites-moi dans l'espace commentaire, mais il y en a beaucoup, honnêtement. Et là, on débloque des variantes pour le skin Ronnie. Alors, avec capuche, avec son masque. Waouh! Et on a un nouveau skin aussi, Harlow. Ah ouais, franchement, celui-là. Non, moi, j'aime bien en rose comme ça. Le skin est stylé. On récupère. Oh, mec, regarde la page, c'est la page Spider-Man, mec. Voilà, on est là pour ça. Let's go, la page Spider-Man. Let's go, on achète Spider-Man. Attention. C'est le skin palissant du coup, hein. Attends. C'est pas le skin palissant. Ok, on a l'icône de l'araignée. Ça, c'est stylé. On a l'écran de chargement du chapitre 3. L'émote. Alors, ça, c'est le même, c'est toi. L'émote, le même Spider-Man. On a ensuite 100 V-Bucks. Je connais, ouais. Okay. Le sac à dos de Spidey, de Spider-Man, avec la traînée de condensation, toile d'araignée. Waouh, ça rentre trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, Harlow? C'est des variantes avec des couleurs, ok. C'est quoi ça? C'est des couleurs, en gros, c'est des couleurs. Et le skin Spider-Man, il est là, mec. Oh là là, on l'a enfin sur le jeu. Alors là. Série Marvel, les gars. C'est ce que j'allais dire. Oh, il est trop avec stylé. Avec le sac frite, en vrai, il rend bien, hein, il y a un petit délire. Montre-le vers l'avant un peu. Oh là là, mec, l'avant, il est incroyable. Ouais. Les gars, maintenant, on va passer au skin palissant. Mais si c'est pas lui, c'est quoi? Attends, on va récupérer. Mec, c'est carrément le Spider-Man version Venom. Ah ouais. Quoi, avec le symbiote? Ok, attends, on va tout voir. On va tout voir de toute manière. On a ça. Ok, ensuite on a 100 V-Bucks. Encore une fois, ouais. On a un camouflage. Par contre, le camouflage, il est incroyable. On a carrément un planeur. J'étais pas au courant. Oh. Mec, en vrai, il rend bien. La pioche aussi. On va voir. Elle est stylée, la pioche. Un petit tag, 100 V-Bucks. Un écran de chargement juste là. En vrai, il est pas mal avec le Battle Bus. Une émote, fais voir l'émote. Araignée sympa. Oh, ça les gars. Ça les gars, on achète avec le code PJP. En plus, il fait coucou. Est-ce que t'es prêt, mec? On va passer au skin palissant. Là, c'est du concret. Là. C'est le Spider-Man Custom Symbiote. Parce que c'est avec les tout premiers skins Spider-Man, le Spider-Man 3 avec le version symbiote. Oh là là, mec. Stylé, hein. Il est incredible, mec. Il est incredible, on peut dire la vérité. Eh, franchement, là, les gars, je suis trop content parce que le skin Spider-Man, c'est l'un de mes préférés. Mais par contre, j'oublie pas que t'as dépensé tous mes sous. J'aurais préféré faire les défis, moi, parce que j'aurais économisé des sous. Là, dites-vous, j'ai perdu. Mais mec, ça coûte 80 euros, mais t'es un malade. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mon frère, je vais le bien vérifier. Je vais retirer toutes mes informations bancaires. Vous en faites pas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et n'oubliez pas le code PJP pour acheter le pass de combat avec le skin Spider-Man. Pour être un vrai Spider-Man, mettez le code PJP. C'était pour et mon ref, on vous dit ciao les refs.